Mais je pense que c'est une façon d'avoir créé Bamboulou et Djobi Djoban qui ça attire les jeunes à chanter, à reprendre. Et plus, chez nous, par exemple, il y a la famille qui est très, très, très jeune et qui commence à jouer sur la guitare et chanter Djobi Djoban, Bamboléou. Et tout le monde entier. Déjà, à mes fans marocains, déjà dans un premier temps, je ne veux pas qu'ils soient trompés. S'il y a vraiment un Gypsy Kings, ben, ça serait Nicolas Reyes, celui-là qui a fondé le groupe, qui a créé le groupe. Et tous les gens qui se font appeler Gypsy Kings, c'est de ma communauté. Mais bon, malheureusement, voilà, ils n'ont que ça pour vivre, quoi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas tromper les gens. Alors, mon secret, c'est que voilà, j'ai été habitué à m'habituer à être très simple dans les rues, dans la vie. Et puis voilà, quand je monte sur scène, bon, je suis une autre personne, mettons Nicolas Gypsy Kings. Et quand je suis dans la rue, par exemple un hôtel où je me trouve, je suis Nicolas, tout simplement. Il lo chiama del corazón del alma y amor, per todo el mundo. Beaucoup j'aurais aimé partager depuis que j'existe les chansons de les répertoires Gypsy Kings avec vous, c'est-à-dire Tanger, Casablanca, Marrakech, je dirais même où je vais chaque année en vacances, Agadir. Mon souvenir c'est de chanter, voilà, mon souvenir c'est ça. Tu eres el primero soldado de nuestro leño. Ben, je tiens à être avec eux et eux avec moi. Voilà, que tout le monde soit là ce soir pour une grande fête Gypsy. Voilà. Et ils verront le vrai Nicolas des Gypsy Kids. Alors, il y aura les États-Unis. Il y a un nouveau album que je prépare aussi, des nouvelles chansons. Et puis, je souhaite et mes vacances au Maroc. Et puis, je souhaite aussi venir plus souvent au Maroc pour faire des galas, des concerts.